L'instant Feel Good avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. L'instant Feel Good, comme tous les jeudis, consacré à la beauté, aux cosmétiques, aux différentes marques, à l'entrepreneuriat du monde des cosmétiques avec Gladys Mignon. On va parler beauté, bien évidemment, avec Reine Ombiono qui est notre invitée. Bonjour Gladys. Alors super, merci Phil. Alors bonjour à toi, Reine. C'est notre invité de, tu es notre invité aujourd'hui. Bonjour. Alors, Reine, pour te présenter très brièvement, tu es psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des mamans et des futures mamans. Phil, je te dis, quand je la vois, c'est une très belle jeune femme. Oui, c'est une très belle jeune femme. Ouais. Alors, Reine, parle-nous un petit peu de toi. Comment tu as évolué et tu es arrivée à être psychopraticienne? Alors donc moi je suis maman de 3 enfants, j'ai 28 ans et en fait j'ai été maman assez tôt. Quand je suis tombée enceinte j'avais 19 ans et j'étais en deuxième année de BTS. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que c'est pas vraiment l'avenir qu'on me prédisait. Oui. Et c'était un peu pour les gens autour de moi, c'était vécu un peu comme un échec. On se disait mince, elle a raté sa vie, comment elle va faire avec un enfant, et de là en fait est née cette rage de prouver en fait aux autres et aussi à moi-même que j'étais capable en fait de devenir quelqu'un outre ma maternité. Donc j'ai commencé par créer un blog pour partager justement mon quotidien de maman et de montrer en fait à d'autres mamans qui étaient peut-être dans ma situation, parce que je me suis dit en fait il y a pas que moi qui suis jeune et maman, et il y a tellement d'autres personnes qui sont dans ma situation et qui ont l'impression que leur vie est finie. Donc j'ai envie de leur montrer que c'est pas vrai. Ça c'est ce que les autres disent, mais en fait c'est pas vrai et elles peuvent accomplir tellement plus si elles s'en donnent les moyens. Donc voilà, j'ai commencé par ce blog là où il y a énormément d'articles dessus qui les encouragent. Il y a des témoignages aussi d'autres mamans qui montrent que elles s'en sortent. Et au fur et à mesure, en fait, des mamans m'écrivaient, me contactaient, me posaient des questions, demandaient des conseils. Et je me suis dit, pourquoi ne pas professionnaliser ça et en faire vraiment mon métier? Parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui est en lien, en fait, avec la maman. J'avais vraiment ce désir, en fait, de les amener plus loin. Et voilà, du coup, j'ai commencé à me former en termes de psychologie. Oui, donc actuellement, je suis une certification pour devenir officiellement, en fait, une psychopraticienne certifiée. D'accord. Donc voilà, et je me spécialise vraiment. Je m'adresse vraiment à la femme qui est mère, mais je m'adresse à la femme parce que la problématique des mamans, c'est qu'elles s'oublient. Oui, c'est vrai. On oublie qu'on est des femmes, on oublie qu'on est des personnes, qu'on a été des personnes avant d'être des mamans. On a été des femmes. Exact. Et c'est vrai que pour beaucoup, comme pour moi, finalement, moi, j'ai été maman avant d'être une femme. Et en fait, j'ai pas su comment être une femme. Et maintenant, je le découvre et je me dis, waouh, le champ des possibles est ouvert. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir et il y a tellement de choses à mettre en place qu'on peut pas juste se limiter à être des mères. C'est nous limiter, en fait, c'est nous cloisonner dans un rôle. Et en fait, on est tellement plus que ça. Et c'est ça, en fait, moi, mon rôle, c'est de faire ressortir la femme, de les aider à ne pas oublier qu'elles sont des femmes avant d'être des mères. Ouais, tout à fait. En plus, c'est vrai que ce sujet tombe à pic puisqu'on vient de célébrer la fête des mères. Tu étais étudiante, tu étudiais, puis voilà, est arrivée cette grossesse qui a fait de toi maintenant une mère très, très tôt. Du coup, est-ce qu'après cela, on te lance dans cette voie pour accompagner les femmes, est-ce que tu as continué aussi ton processus d'études, est-ce que tu as pu travailler en étant jeune maman? Alors donc moi à la base je suis pas fan de longues études. Donc avant d'avoir ma fille, ma première fille, je m'étais dit vas-y, après le 2 ans après avoir fait mon BTS, j'ai choisi déjà une formation qui était professionnalisante. Donc après mon BTS, moi j'arrête ça, les études là c'est pas mon truc. Sauf que en fait, si je me suis dit, si j'arrête là, c'est prouver aux autres qu'ils avaient raison, que c'est j'arrête ça. Parce que j'ai eu un enfant. Donc je vais pas arrêter, je vais continuer. Donc j'ai fait une année de plus, j'ai fait ma licence, ma licence professionnelle en communication. Et en fait, même jusque là, je voulais pas m'arrêter parce que j'avais l'impression que c'était pas assez. J'ai voulu continuer en master, mais malheureusement, j'ai pas eu de place. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que je me suis dit, allez, je vais pas faire un truc qui ne me plaît pas juste pour prouver quoi que ce soit aux autres. Moi, ce qui est important, c'est je voulais sortir aussi du système où c'est la CAF qui me nourrit, c'est la pas la pension mais le CROUS,
avec la comment ça s'appelle, j'ai oublié, toutes les aides en voilà. fait je voulais ouais. sortir de ce schéma là et parce que c'est facile de dire oui je me débrouille mais en fait j'ai envie de travailler, j'ai envie que il y ait un salaire qui tombe dans mon compte tous les mois et de pouvoir dire en fait ma fille ne manque de rien parce que j'ai vécu des moments difficiles financièrement ouais. et je voulais sortir de là ouais. donc dans un premier temps j'ai cherché un service civique mmh. où ça se passait très bien mais je voulais pas m'arrêter là. J'ai du coup j'ai trouvé du travail et voilà c'était vraiment important pour moi d'apporter quelque chose en fait à ma fille et puis pour moi personnellement j'ai continué en fait à me former à droite à gauche à ouais. faire des petites choses et pour me développer personnellement à faire un ouais. travail sur moi en fait parce que je suis adepte de je ne conseille pas ce que je n'ai pas fait et ce que je n'ai pas essayé donc c'est important pour moi de faire des choses que derrière je peux dire aux mamans faites ça je vous assure c'est quelque chose qui est bien pour vous. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire et je sais que la semaine prochaine on va vraiment rentrer dans le vif du sujet oui. où on va vraiment parler de féminité et oui. maternité et tu nous donneras vraiment ton constat, ton point de vue et tu nous parlera de ton accompagnement, enfin, tous les services que tu proposes. Juste pour clôturer en quelques secondes, les yeux sur elle, donc c'est ta société. Oui. En quelques mots, voilà, qu'est-ce que tu proposes à travers cette société ? À travers les yeux sur elle, je propose en fait des accompagnements, des thérapies de groupe et des thérapies individuelles. Ouais. Et en fait, j'accompagne vraiment les mamans, même dans la relation avec leur enfant. D'accord. Et le but, c'est qu'elles soient épanouies dans toutes les sphères de leur vie, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Reine. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour vraiment parler de la maternité, parce que c'est un sujet qui me parle. Alors, Reine Obiono, on se retrouve jeudi prochain. Merci à toi, Phil. Merci, Gladys. Et à la semaine prochaine, toujours en compagnie de Reine Obiono dans le cadre d'Instant Beauté. L'Instant Feel Good avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.